Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, commentaire du Cheikh Haytham Sarhan, hafidhahullah. La dixième leçon, les sunan, actes recommandés dans la prière. Parmi celles-ci, il y a, premièrement, l'invocation d'ouverture. Deuxièmement, mettre la main droite sur la main gauche et poser les deux sur la poitrine lorsqu'on est debout, avant et après l'inclinaison. Troisièmement, lever les mains en serrant les doigts au niveau des épaules ou des oreilles au moment de la formule de sacralisation, de l'inclinaison, du relèvement de l'inclinaison et au moment de se lever après le premier tashahhud. Quatrièmement, répéter les formules de glorification au-delà d'une fois dans l'inclinaison et la prosternation. Cinquièmement, les formules que l'on ajoute lorsqu'on se relève de l'inclinaison après avoir dit « À toi les louanges notre Seigneur » et répéter « Seigneur pardonne-moi » au-delà d'une fois au moment de l'assise entre les deux prosternations. Sixièmement, aligner la tête avec le dos dans l'inclinaison. Septièmement, écarter les arrière-bras des côtes et le ventre des cuisses et les cuisses des mollets lors de la prosternation. Huitièmement, lever les avant-bras du sol lors de la prosternation. Neuvièmement, coucher son pied gauche et s'asseoir dessus et tenir son pied droit debout pour le premier tashahhud et l'assise entre les deux prosternations. Dixièmement, at-tawarruk lors du dernier tashahhud pour les prières de 3 et 4 unités. Le tawarruk consiste à s'asseoir sur son postérieur tout en laissant dépasser son pied gauche sous le tibia droit et tenir le pied droit debout. Onzièmement, déplier son index pendant le premier tashahhud et le deuxième, du début à la fin, et le bouger pendant les invocations. Douzièmement, prier et implorer la bénédiction pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, et sur Ibrahim alayhi salam et sa famille après le premier tashahhud. Treizièmement, l'invocation après le dernier tashahhud. Quatorzièmement, réciter à voix haute pendant les prières de l'aube, du vendredi, des deux Eid, de la demande de la pluie et pendant les deux premières unités du Maghreb et du Isha. Quinzièmement, réciter à voix basse pendant les prières du Dhuhr, Asr, la troisième unité du Maghreb et les deux dernières du Isha. Seizièmement, réciter du Coran en supplément de la Fatiha. En tenant compte du reste des sunan que nous n'avons pas cités, comme le fait d'ajouter des formules après l'invocation « Notre Seigneur, à toi la louange »« Rabbana wa laka alhamd » concernant l'imam, celui qui prie seul ou en groupe, ou comme le fait d'écarter ses doigts lorsque l'on pose ses mains pendant l'inclinaison. L'invocation d'ouverture, c'était le premier. Celle-ci se prononce directement après la formule de sacralisation. Parmi celles que prononçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayay kama yunqa al-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayay bil-ma'i wal-thalj wal-barad. Oh Allah, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés avec l'eau, la neige et la grêle. Une autre invocation que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Gloire et pureté à toi, ô Seigneur, et à toi la louange. Que ton nom soit béni, que ta majesté soit élevée, et il n'y a d'autre divinité en dehors de toi.